bien salut Loulou, c'est XBSK, aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour du Darksiders 2, toujours et encore Darksiders 2. Alors il y en a beaucoup qui m'ont dit une des solutions pour pouvoir passer ce petit passage. On va voir si c'était exact. Alors attendez, donc on m'avait dit il fallait ouvrir le portail là, en puissance maximale, comme ça on fait un gros bond. Voilà. Alors après ce que je fais... c'est que je me dédouble. Et attendez, ça fait lequel encore? Celui-là s'active lequel? Je me rappelle déjà plus. Ah, quoique, ouais, c'est celui-là. Voilà, on ouvre celui-là. On prend le petit défi ici. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on le balance ici. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc dire à l'autre dev de chut. Voilà. Et après on m'avait dit de balancer le truc à travers le téléporteur. Pas le tirer sur un portail à travers un système de portail actif. Alors là, on cherche pas à comprendre. Je tire. Et ça n'a pas marché. Comment est-ce que je peux faire ça? C'est ça la question. Comment est-ce qu'à travers un portail, je peux tirer à travers celui-là? On dirait que ça a marché. Je suis pas sûr. On va vérifier. Non, ça a pas marché. Bon. Alors, si je fais ça, que je passe à travers, ça marche pas. Ah, je savais qu'il allait avoir un problème. À moins que ce soit le def original qui doit faire ça, ou un truc dans le genre, je sais pas. Pour être franc, je sais pas. J'aimerais bien qu'il tire là, mais non, ça marche pas. Ah là là. Bon. Comment est-ce que je peux faire ça alors? Ah, ça a marché. C'est quoi cet embrouille? J'ai pas compris. Donc alors bon, ben, ça a marché, hein. On sait pas comment ça a marché, mais on s'en fout, hein, tant que ça marche, c'est plus important. Je pensais que j'avais galéré à mettre 10 ans, mais non, apparemment. Yahoo! Ouais, Banzai Caution. Allez, ouvre-moi ça maintenant. Nickel! On va déjà voir ce qui nous attend là-bas. Non, on nous attend quasi rien, donc ça va. Poum-poum-poum-poum. Ta gueule! Oula, c'est quoi ce bug? Ok, donc il y a du sperme noir qui coule à flot là. Yep, là. C'est quoi? Ah merde, je me disais bien qu'il y avait une vibration bizarre. Viens ici, au pied! Ah bah son copain n'a pas l'air de vouloir venir me casser la gueule, donc on va pas s'en plaindre. Allez, casse-toi, merci. Allez copain, viens. Allez, tiens, allez. Au pied, j'ai dit. En plus, on est très proche de la fin, donc on va essayer de se dépêcher, je pense. Je pensais qu'on était qu'à 60% du jeu, mais en fait, non, on est vachement plus loin que ce que j'avais prévu. Je crois qu'on doit être à 80 ou 90% de la fin du jeu, donc... 90 si vous voulez. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, encore la fameuse tâche. Bon. Toi ta gueule, merci. À quoi va servir cette bombe? À casser le truc devant, bien sûr. Alors... une fois qu'on a la clé, on monte. La ferme! Oh! Putain, mais je suis pas d'humeur là, allez, cassez-vous. Voilà, comme ça, c'est bien. Allez, on va ouvrir la porte qui nous attend ici. Ah, d'accord. Ah, ouais, d'accord, je vois. Oula. Je l'ai eu à cette distance quand même. Alors, attendez, si j'ai bien compris, alors faut faire ça. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir redescendre par là-bas. Ouais, ça va être un peu long.
J'avais pas anticipé le mouvement qu'il fallait faire ici. Mais c'est pas grave, c'est pas tellement loin, donc on va pas s'en plaindre. Faut juste aller... boum 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 boum. Voilà. Allez gros putain, pourquoi t'as pas foutu une fonction sprint sérieusement? Enfin je pense que c'est comme ça, hein. Je suis pas sûr mais... Enfin, j'espère. On va prier, hein, que ce soit vraiment comme ça. Parce que donc normalement en bas il y avait un truc ici. Voilà. Et hop. Et ça active les deux. Et voilà, nickel. Ah, voilà une bonne chose est faite. Maintenant je repasse par le portail parce que moi je suis un fifou. Wouhou! Alors, qu'est-ce qui nous attend ici? Oh, du grappin, super! On va jouer au Prince of Persia. Yep! Yep! Je t'en veux! Toi, dans ton cul, merci. Laisse-moi ouvrir le coffre, gros, s'il te plaît. Je n'ai plus assez d'espace. M'en fous, on est presque à la fin du jeu, ça sert plus à rien. Alors ça va m'amener où ce petit machin là? Vers une porte. Mais que se cache derrière cette porte? Oula! Il y a mon copain là-bas. On dirait qu'il veut que je le suive. On dirait qu'il veut qu'on se fasse des gros câlins et des gros poutchous. Allez, j'arrive ma biche. Toi et moi, c'est maintenant tout de suite. Ah bah c'est pas encore en fait. Donc ça activé. La flotte là, mais... Mais ça a servi à quoi? Oula, ça vibre. Viens ici mon ange corrompu. Viens faire un gros câlin à ton défouné. Allez. Un petit banging en prime. Voilà. Bon bah apparemment faut aller tout droit, hein. Encore une vibration, donc encore un ange. Ah, c'est dommage qu'on n'a pas des vibrations sur les souris, hein. Ça aurait été sympa quand même. Mais je crois que ça aurait été un peu perturbant. Oula, lui il est mort avec son épée levée. On se demande bien pourquoi. Ne prenons pas ce symbole pour un symbole phallique. Allez, viens ici. Allez, crève. Reviens ici. Voilà, t'es mort. Et voilà, la porte s'ouvre. J'ai eu peur pendant un moment, j'ai cru qu'elle n'allait pas s'ouvrir. Je me suis dit, putain, si elle s'ouvre pas, je suis dans la merde. Et encore un donjon. Il veut vraiment que je vienne lui casser la gueule. Hein. La gueule. Ah. Allez, un petit troisième pour le fun. Non, même pas. Pourtant, on dit jamais 203. Qu'est-ce qu'il y a ici? Bon. Yep. Yep. I believe I can swim. Alors. Alors. Oh putain, mais bon, on ira combien là? C'est bon, je ressors le gun. J'en ai marre. Toujours devoir appuyer sur rond pour tuer. Mais ça va, on a compris que tu voulais que je vienne te faire un gros câlin. Pourquoi est-ce que mes guns ont changé? Pourquoi je suis passé du gun à la grappe? Mais oui, je vais te faire la peau, ne t'inquiète pas gros. Bah tiens, prends ça dans tes dents. Pourquoi est-ce qu'il y a un téléporteur? C'est mauvais signe ça. Ah ben non, c'est pas mauvais signe en fait. Regardez, c'est juste au con, c'est juste là-bas. Je vais juste activer un peu. Pas trop fort de préférence. Et après, hop, on va jump. Boum 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 boum. Yahoo! Hop. Et voilà. Facile. Oupa. Est-ce que je peux l'atteindre d'ici? C'est ça la question, ce machin. Ouais, je peux. Hop. Voilà. Sauf que j'ai l'impression que ça va m'envoyer dans le vide. Attendez. Je suis pris d'un malaise là.
Non, c'est pas possible, ça doit être là-bas, non? Comment est-ce que je dois faire ça? Ah non! Il y a un truc là. Qui va me balancer là-dessus, sûrement. Bon, on teste, hein. On va le mettre puissance maximum. Voilà. Tant pis si je tombe. Wahoo! Ah bah non, c'était bien ça. Ouais, je suis trop fort. Ah, je suis trop fort, baby. Bon. Voilà. Voilà. Je sais pas s'il y a rien d'autre à faire, hein, de toute façon. Voilà. C'était tout con en fait. On sort le gun. Qu'est-ce qu'il y a ici? À part des jarjars. Des jarjars Binks. C'était naze. Ouh, une grande pièce, sûrement pour une créature massive. Copain! On va s'affronter alors, hein, toi et moi. On va se faire des gros câlins. Tiens, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Oh ouais. Magnifico. Bon, il a l'air con quand même. Ouais, il a même l'air très con. Il a même l'air très simple à buter. Je m'attendais à un truc vachement pire, mais franchement, là, je suis déçu. Ah ouais, mais ils sont plusieurs, d'accord. Ah, ils veulent me banguer, là. Ils veulent faire un gangbang interracial avec moi. Mais ça marche pas avec moi, tu vois. Aïe. Enfin, si, ça marche un peu quand même. Reviens ici. Reviens ici. Là, c'est fini? Non, ça n'a pas l'air fini. Je suis sérieux, fini. C'est fini. Donc voilà, un ennemi de merde. Tant pis pour lui, hein. Poum poum poum. Bon, maintenant on va aller voir le scribe. Tiens, qu'est-ce qu'il y a, biatch? Non, toujours pas par là. Poum. Ok, bon. Donc j'ai un portail ici à foutre. Là c'est clair et net. Ma question c'est où est l'autre portail que je dois activer. Bon, il y a une manivelle ici donc ça veut tout dire. Hop. Et je suppose que quand je vais faire ça, boum, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va devoir faire là alors? Si je fais ça. Bah non, ça marche pas. Bon, bah alors il va falloir utiliser le rocher pour foutre dev dessus, hein. Voilà. Allez, viens là, mon gros. Voilà. Allez, Def, monte dessus. Non, allez. Voilà, mode gros caillou. Et hop. Allez, tombe. Merci. Allez, pousse. Voilà. Là, c'est problématique, je pense. Parce que je crois pas que je peux. Non, je peux pas. D'accord, en gros, ce qu'il va falloir faire. Ouais, je vois ce qu'il va falloir faire. Ou pas. C'est pas grave. Ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Je suppose qu'en plus, il y a encore un caillou là-dedans ou un truc dans le genre. Ah ouais, d'accord, attendez. Oula putain, vas-y, y'a Dev dans le chemin là. Ah ouais.
D'accord. C'est problématique. À quoi sert ce téléporteur alors? Bon, déjà on va descendre ici. Parce que s'il y a un téléporteur ici, c'est peut-être pas par hasard. Oula, je vais peut-être mourir en faisant ça. Wouhou! Non, ça va. Il faudrait que j'aille de l'autre côté. Non, c'est juste pour accéder à un coffre en fait. Donc ça sert à rien. À rien! Bon. Allez, reviens ici. Je peux pas accéder par là. Là-bas, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait rien. Attendez un instant. Poup 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 poup. Normalement, ça me fait une vue de haut. Si, comme ça. Non, ça marche pas. Je m'étais dit, on va faire un truc. Ça n'a pas marché, malheureusement. J'avoue, ça devient très problématique là par contre. Là, je vois qu'il y a un truc ici. Peut-être un truc pour bien viser. Non, que dalle, nada. Bon, si je vois que je galère trop, ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement. Comment dire. Tenter un. Comment je dirais ça. Enfin, une petite interlude pour essayer de voir si je peux aller vite fait voir la solution sur internet parce que là ça devient problématique. Là je vous l'admets, ça devient très problématique. En fait, faudrait juste que je puisse passer en fait, mais je peux pas. Regardez, là il y a un coffre, on est d'accord. Ok, ça nous ouvre un passage ici. Un passage qui ne sert à rien. Et que de toute façon, je ne peux pas y accéder. Cela est donc très problématique. Très 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 problématique. Bon, on va vérifier ici. On est d'accord, il n'y a rien. Que dalle, nada. On remonte. Encore le petit ce machin là. Ça me donne donc accès à ça. Le problème c'est qu'on peut pas y aller. Donc il doit forcément y avoir un chemin. Des, qu'est-ce que tu vois? Des, dis-moi où je dois aller. Comique va. Ça sert à rien que je fasse ça. Je sais pas viser à travers. Si moi vous voyez, je pouvais grappe la boule à distance là. Ce serait pas mal. Oh là. D'accord. Caillou, je peux plus l'utiliser, bien sûr. Ça aurait été trop beau. Bon, il doit y avoir un lien avec ce portail, c'est obligé. A mon avis, je dois trouver un truc qui me permettrait de me balancer là-bas, mais... Attendez... C'est pas possible, il doit sûrement y avoir une entrée. Attendez, on regarde. Donc là, on voit qu'il n'y a rien. C'est qu'on peut pas le reculer, hein. Oh le con! Oh le con! Oh le con! Oh, je suis trop con. Oh putain, là vous avez le droit de me traiter de con. Là je vous autorise. Là je vous y autorise, les mecs. Voilà, putain.
c'était juste ça, quoi. Putain, sérieux. Bon, c'est pas tout ça, mais comment est-ce qu'on règle ça maintenant? Parce que maintenant, ok, donc. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse donc? Faut que j'utilise la bouboule, on est d'accord. Là, j'ai toujours le téléporteur. Bon, déjà, on va aller prendre le coffre. Poum 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 poum. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on a l'accès à la bouboule. Enfin, je pense. Hein. Je crois. Je ne suis pas sûr. Malheureusement. Bon, de toute façon, il faudra forcément que je le garde ouvert, celui-là. Donc, faut que j'utilise le maximum possible. Enfin, quoique, je suis pas sûr qu'il faut le garder ouvert. Oh, mais... Je sais, je suis chiant. En fait, je suis même pas sûr que ce que je fais est peut-être bon ou pas en fait. Parce que voyez, on va voir ici par exemple. Si on est d'accord que je fasse ça. Ça va rien faire logiquement. Non, ça fait rien. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a un truc lié ici. Ça devient très problématique là, les loulous. Désolé, je suis pas le genre de gars qui réfléchit longtemps en général, mais là. Voilà. Allez, retourne dans le truc. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est ça. On va maintenir et on va lâcher. Alors, qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça a ouvert? Y'a rien, que dalle. Je suppose que par là on peut même pas monter ou quoi que ce soit. Bien sûr que non. Ça aurait été trop beau, hein. Bon, vous savez quoi, on va faire une interlude ici. Je reviens plus tard parce que là, je vais chercher, j'ai pas envie que vous fassiez trop chier là, parce que sinon je pense que ça va vous casser les couilles. Allez, je reviens plus tard. Eh bien, nous revoilà, apparemment j'ai trouvé le truc. Donc, si je pense bien avoir trouvé le truc. Donc voilà, ça a activé le machin ici. Donc ça a fait passer un rayon laser là. Mais je suis pas sûr en fait. Hein. J'ai pas le temps de check. Attendez, je vais vite aller voir. Donc en fait, ça a activé le machin là, ici. Donc en fait, le truc maintenant, c'est qu'il faut que... comment faire? Donc on est d'accord, faut que ce machin-là soit passé. Je suppose que si jamais, par exemple, je fasse ça, ça ne marchera plus. Ouais. Ah si. Ouais, je pensais qu'il fallait juste... En fait, je pensais qu'il fallait qu'il soit toujours relié par les portails, mais non. Ah bah, je suis con. Vous avez le droit de le dire là. Doublement con. Maintenant la question, c'est à quoi sert ce téléporteur? Ok. Donc voilà, on est d'accord, il y a un truc là. Donc lui, il est activé, on est d'accord. Donc on va foutre ça là.
Et on va devoir activer celui-là. La question c'est où est le téléporteur? Ah ben il est en haut. À tout con. Voilà. Bon, j'espère au moins qu'on arrivera jusqu'au scribe. Voilà, on peut y aller. Un coffre, je vais en profiter. Le coffre tu dois prendre. Et bien sûr, des bottes tu n'as pas le droit de prendre. Connard. Attendez. Déjà je veux voir un truc. Option. Je vais désactiver le ramassage auto. Parce que je veux voir c'est quoi les bottes. C'est de la merde. Salut. Alors qu'est-ce qui nous attend encore aujourd'hui? Salut. D'accord, tout est à moitié. Tiens, qu'est-ce qu'il y a? Biatch. Alors, qu'est-ce qui nous attend? C'est vrai ça, donc on a un portail ici à mettre. Et on aura forcément notre portail à foutre quelque part. Ah ouais d'accord. En fait on peut juste pas passer à travers le trou, c'est tout. J'ai utilisé une potion sans vouloir. Voilà, donc Def ne s'est pas passé par un petit trou comme ça. Bravo Def. Oula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 l
Ouh là là, comment il tape fort! Oh! Ah d'accord. Ça a le mérite d'être clair. Putain, il m'a one shot, enculé. Par contre, je vais essayer de tenter un truc pour ces boules d'énergie. Oui, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Def approche, oui, je suis là. Affrontez-moi, cavalier. Affrontez-moi, cavalier, mais putain, t'es gros. Et hop là, loupé. Vas-y, tire. Tire. Et bing. Oula, on va se barrer. Ah d'accord, faut jouer avec les portails pour le battre en fait. Allez, tire. Allez mon gros. Allez. En fait t'es naze. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire là? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah d'accord. En plus, il invoque des anges, bien sûr. Attendez, 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 attendez. Merde, c'est pas ça que je voulais. Oh, cache-toi! Allez, crève! D'abord, faut gérer cette tisade à la con. Vas-y, tire-moi dessus. Voilà, t'es à moi. Allez, crève. Jamais je me prosternerai. Surtout pas face à un ange. Et tire, tire. Aïe 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 aïe. Ouh 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 ouh. Ah, voilà ce que je voulais voir. Bon. C'est maintenant qu'on va rigoler. Alors pas où tu vas tirer, connard. T'as loupé ton coup. Oups. J'ai fait le con. Allez, tire-toi dessus, tire-toi dessus. Voilà. Boum. La clé. Pitié, cavalier. Où est-elle? S'il vous plaît, je vous dirai tout. C'était le chaos. Même les plus nobles d'entre nous ont perdu la raison et pris les armes. L'Archon n'y a pas échappé. Pas plus que moi. L'Archon. C'est ce maudit bassin. Leur usage n'était pas interdit pour rien. Quoi qu'il y ait vu, ça lui a ravagé l'esprit. La corruption est partie de lui. Il a fait de cette cité son charnier, tout en professant sa propre pureté. Et ensuite, il s'est retiré dans la flèche de cristal. Il a emporté la clé.
Attention, Def est en mode vénère. Alors. Alors, comme ça, tu t'es foutu de ma gueule, connard. Hein. Tu t'as osé te foutre de ma gueule. Hein. On va se téléporter directement. Eh ben, tu vas payer. Tu vas payer et je vais récupérer ta clé. Pourquoi je sens que je vais être bien accueilli? Ah non, ça va. Ah bah tiens, tu tombes bien toi. Qu'est-ce que t'as à offrir? Quel que soit votre but, je vous... j'ai tout ce dont les anges comme toi ont besoin. Je suis pas un ange moi. Depuis quand je suis un ange moi? Usé, ensanglanté et oublié. Bong, bong, bong. Ça sert à rien, ça sert à rien. C'est quoi ça? Non. Usé, ensanglanté. Tu vas dire la même chose en boucle, toi, connard? Bon, tant pis, je vends mes bottes d'ange. Résistance, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça sert à rien. La critique magique, je m'en moque. Expérience, expérience, magie, magie. Retrouver. Oui, aïe 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 aïe. Non, ça va me faire descendre. Non, c'est bon, je peux tout vendre. Voilà, bon ben. Tu sais quoi, gros? On se retrouvera peut-être en enfer. Oui, je sais que tous les anges ne sont pas contre moi. Mais j'en connais un qui va être contre moi en haut. Et lui, je sens qu'il va me faire chier. C'est quand même l'arcane, quoi. Tout, 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 tout. Poum, 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 poum. Bon, rassurez-moi que je vais pas me retaper tout ce qu'il fallait faire. Non, ça va. Y a rien à refaire. Faut juste remonter. Tout, 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 tout. En tout cas, vous aurez eu droit à deux boss aujourd'hui. Bon, je crois pas qu'on va s'en plaindre. Et vous non plus d'ailleurs. Allez, leur conne, c'est entre toi et moi. Non! La clé, Arcon. Je sais que vous l'avez. Elle est à moi! Même quand il me l'a ordonné, je n'ai pas pu détruire la clé. Tu dois comprendre, cavalier, je n'avais pas le choix. J'ai ouvert le puits et protégé la clé de toutes leurs questions et de toi. Moi seul suis digne de la clé. La lumière sacrée du divin te détruire! Puis quoi encore? Oula! Alors, comment est-ce qu'il s'affronte ce connard? Ok. Alors, vas-y, attaque! Non. Ah, il a pas l'air si difficile que ça à battre. Oula, il va se passer un truc là. Ah, merde. Allez, à terre. Plus d'elle. Je ne crains aucun mal. Oula. Aïe. C'est vrai, je ne crains aucun mal. Surtout pas un ange de merde comme toi.
Elle vient de battre. Téléporte-toi, vas-y. Fais tes 1, 2 et 3. Aïe! Aïe! Allez, crève! Alors, 1, 2. Allez! Aïe! Tu crois que j'ai peur? 1, 2. Aïe! Oula, elle va me faire quoi là? Oula, il va faire quoi là? Qu'est-ce qu'il va me faire là? Si je te dis que je suis pas tenté. Oula! Ah, je m'en fous de ça. Tiens! Ah bah c'est gentil que tu crains aucun mal, mais moi non plus je crains pas le mal. Allez tiens avec tes ailes pourries là. Allez, c'est l'heure de la vengeance. Tu es vieux con. Hein. Ah, mon fouet s'est passé instantanément vers là-bas. Je savais même pas. Je viens d'apprendre un truc, mais je suis trop con. Qu'est-ce que je vois, citadelle d'ivoire, moi. Attendez, c'est pas ici que je veux aller. C'est là-bas. Ah là 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 là. Allez, vieux Corbin, raconte-moi ma vie. J'ai la clé des anges. Alors, tu es près du but? Je peux ouvrir la voie, Hadès. Mais tu dois trouver l'autre clé. Celle des démons. Oui, sois prudent. Tu vas plonger au cœur des ombres. Excellent! Allez, on va aller au cœur des ombres. Et après, je pense qu'on s'arrêtera ici. De toute façon, on est très très proche de la fin. À tout casser, il doit rester peut-être une ou deux vidéos et après c'est terminé. Allez, allons voir ce que ça vaut les ombres. J'ai obtenu un point de compétence. Voyons voir ce que c'est. Ah bah je peux faire une tornade, mais je préfère ça finalement. Je peux faire la domptable, quoique... Non. Je préfère ça. Ah mais attendez, j'ai plein de points. J'avais pas vu. Par contre la tornade, je vous avoue qu'elle sert pas à grand chose donc. Enfin moi, quand je l'avais utilisé, je trouvais qu'elle servait à rien. Maintenant c'est peut-être que mon... Ouh putain le décor. Ça donnerait presque envie hein. Allez vieux Corbin, comment vas-tu? Ah non, c'est pas le Corbin, c'est... Bienvenue à la frontière de l'ombre. File comme le corbeau. Où ton frère est condamné. Cet endroit m'est familier. C'est normal.
c'est le reflet obscur de la flèche de cristal. Un domaine où les démons, et non les anges, montent la garde. Elle a tourné leur regard vers eux-mêmes. Et ce qu'ils ont vu les a détruits. Et la clé ? Elle est toujours là, liée à un puissant maître. Un puissant maître. On va avancer un peu pour voir ce qui nous attend ici. De toute façon, le puissant mais je crois pas qu'il fera long feu, hein. J'ai niqué tout le monde sur le chemin, donc... Ce que j'aimerais bien, c'est que ça soit... Genre, vous arrivez directement le boss final. Oh, je serais trop heureux. Mais malheureusement, ce sera pas le cas, bien sûr. C'est jamais le cas, regardez-moi tout ça, là. Eh, c'est quoi ça ? Oula, elles sont bizarres, leurs portes, hein. Par contre c'était ça, genre ouais, vas-y t'avances et c'est bon. Oh, là je vous avais, je serais totalement heureux. Hein. Ah, qu'est-ce que tu fous là, vieux? Bienvenue dans le royaume des ténèbres, cavalier. Si jamais tu me suis... Oh, ne sois pas ridicule. Je sépare les démons de leur argent et toi de leur âme. Où est la différence? Je cherche une clé. Mais bien sûr, Samael conserve de nombreux trésors dans ses coffres sous la pierre noire. Je souhaitais d'ailleurs en acquérir quelques-uns. Mais rien ne va plus à la cour rouge. Samael n'aurait jamais laissé son royaume sombrer aussi loin dans le néant. Prends garde à ce qui t'attend sur le trône de Samael. On entend de terribles rumeurs. Une reine démente, Lilith, s'accroche au pouvoir. Lilith, comme c'est étonnant. La pierre noire, j'en ai entendu parler. Oui, le trône de Samael, prince du sang, vagabond rouge. Il porte moult noms, mais n'a qu'un domaine. En piteux état. La corruption dévore la pierre noire, comme elle dévorera les terres de la forge, la cité des morts et même la terre. Dans quel but ? Que veut la corruption ? Détruire la création et laisser à sa place le néant. Est-ce qu'on peut la vaincre ? Non. Ton précieux équilibre ne peut que la retenir. Ah, mais qu'est-ce que j'en sais ? Je ne... Bon, allez. C'est sur ce précieux discours qu'on va se laisser... je vais m'enseigner un peu plus tard pour voir combien de temps il reste. S'il y a moyen, j'essaierai de le finir en une seule vidéo, le jeu. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas d'avoir la... Ouiiii attitude comme d'habitude, j'ai trouvé le pour le cul. Bref, vous connaissez Eric, vous connaissez la chanson. Prochain de vous, prends soin du rock'n'roll et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures avec Def ou peut-être sur Black Mesa, on sait pas, on verra. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.